Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, c'est JC3 de la team SFAB et on se retrouve pour un petit jeu du Leap Motion. Cut the Rope, je pense que vous connaissez tous, il est sur iOS, sur Android et peut-être même sur d'autres plateformes, je ne sais pas. Peut-être même sur Windows Phone, peut-être, oui. Quoi qu'il en soit, on est sur Leap Motion de la plateforme Airspace. Et on est parti pour un nouveau gameplay. Alors, une petite information. Comme vous pouvez le voir, il y a des soucis d'enregistrement. Mon micro n'est pas à la hauteur. Audacity n'est pas à la hauteur. Alors j'en suis revenu à Fraps pour enregistrer directement ma voix. J'espère que ça sera mieux. Il y a un bruit de fond, je sais. Mais je pense que ça sera mieux que la normale. Alors, c'est parti. Play. Fabric Box. Kimball Box. Donc comme vous le savez, je répète, j'ai fait quelques petits niveaux avant. Quoi qu'il en soit, on va commencer par le début. C'est plus simple. Et c'est parti. Donc là c'est un peu différent, c'est la flèche hein, qui fait le compte à rebours. Je vais bien me placer devant le leap. Au moins au-dessus du leap. Et c'est parti, ça bug un peu, c'est très bizarre. Donc là, ah mais c'est le tutoriel, ok. Voilà, donc là on coupe. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, vous allez le voir dans. On va faire un prochain niveau. Hop. Vous avez un bonbon, une sorte de sucette géante, que la grenouille doit attraper. Donc là c'est pareil, je sais pas ce qu'ils ont fumé les développeurs, mais bon. Ça reste marrant. Enfin, c'est marrant, ouais. Et la petite sucette est accrochée par les ficelles. Le but étant de couper les ficelles. Tout en faisant en sorte que la sucette attrape les étoiles et tombe à la fin dans la bouche de la petite grenouille. Donc c'est un jeu de logique, hein, tout simplement. Donc là on va couper celle-ci. Hop. Et je me suis foiré, c'est pas grave. Dans sa lancée j'aurais dû couper la ficelle avant. Ce sera que des étoiles, c'est pas gênant. Allez, suivant. C'est un petit jeu marrant ça. C'est très sympa. Mais c'est bizarre ce que... Ouais. Non, je pense que c'est Fraps qui fait légèrement bugger le... Il doit pas être super bien optimisé. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper celle-ci. Celle-ci. Hop là. Et celle-ci. Et voilà. Régale-toi, ma petite cocotte. Next! Donc là, c'est un petit niveau... Allez, mon coco, coupe-moi cette ficelle. Allez, hop là. Hop là. Je suis désolé, j'ai coupé le son du jeu. Alors, comment on va faire? Ça m'a l'air d'être un élastique là, donc on va couper comme ça. Hop là. On va couper ici. Et on va couper là. Et c'est nickel. Bien. Allez, hop là. C'est moins vite. Next. Alors, je crois que celui-là, je l'avais fait, mais j'avais pas réussi. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en ait, on va couper là. On va couper là. Allez, coupe-moi cette putain de ficelle. Ouais, c'est pas gagné là. Hein. On a perdu. Bon, écoute, on va faire ça, hop. Ah bon, on s'en sent pas si mal. Allez, next. Un petit trampoline. Et vu que ça bug, c'est pas très fluide. Allez, coupe-moi ça là. Et c'est nickel dans la poche. Un petit perfect. Comme je vous ai dit, j'ai coupé la musique du jeu pour que la voix soit mieux, mais je vous ai mis le son du menu du jeu pour qu'il y ait un petit peu d'ambiance quand même. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ce niveau? On va couper là. Boum. Boum. Ensuite, on va couper celui-ci. Et on va couper là. Et c'est nickel.
passe au carton suivant. Donc lui, j'ai jamais fait, je crois. Alors, on va couper. Donc là, faut pas qu'on touche les pointes. Étant donné que ça bug, c'est pas super pratique. Allez, putain, non. Voilà. Bon, tant pis pour cette vidéo. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit gameplay vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, abonnez-vous, partagez la vidéo. Et puis on se retrouve pour un prochain gameplay d'une application Airspace ou d'un autre jeu. Voilà, voilà. Une dernière petite info, la nouvelle intro est prête. Elle est publiée sur la chaîne et également sur la page Facebook. Si vous n'êtes pas encore sur la page Facebook, on vous invite à y aller, à aimer la page pour être au courant de toutes les nouveautés, des dernières vidéos. Et pour être un vrai partenaire de la Teams Fab. Donc la nouvelle intro est prête. C'est une intro en bêta, si on peut dire. Ce que j'entends par bêta, c'est qu'elle est ouverte à toute critique. On prendra compte de vos critiques s'il y a des choses qui vont pas. Elle nous a pris énormément de temps. D'un point de vue de modélisation pour la maquette. Les effets lumière, le trajet du char, les caméras, donc tout ça, ça a pris énormément de temps. C'est bien 60 heures avec les rendus sur Cinema 4D qui sont très longs. Bon, je vous cache pas qu'on a mis peut-être un peu plus de temps que la normale parce qu'on découvrait un peu le logiciel Cinema 4D, même si JST3000 qui s'appelle désormais Steamper a quelques notions. C'est pas facile, même si ce logiciel est très simple. Hein. C'est pas facile de prendre tout en main, surtout avec un tel projet. Donc bienvenue aux critiques. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt. C'était JST3 pour la team SFAB. Ciao ciao.